Vieux frère, tu dois encore être en cage à cette heure-ci. Moi, j'ai pas fait grand-chose depuis ce matin, j'ai écrit un peu. Je me suis touché un peu aussi. Ce midi, j'ai vu les autres vieux frères et les belles. C'était éclairant, comme à chaque fois. Et puis cet après-midi, je suis allé récupérer mes affaires. C'était tellement étrange. J'ai dit au revoir à la photocopieuse, puis à ceux et celles qui restent à bord. Ils m'ont souhaité bonne chance. J'ai hâte qu'on se rejoigne tous dehors demain, aux premières heures du jour, et qu'on s'en aille enfin. Tu te souviens quand on parlait de changer de vie? Si on avait su que ça arriverait. Moi aussi, je suis inquiet, forcément. On n'a pas été habitué à tout ça, c'est vrai. Mais je sais aussi qu'on sera pas seul, qu'on sera avec tous les autres vieux frères, et qu'ensemble, on a de quoi faire. Et puis les signaux sont là, tu les entends et tu les vois, comme moi. Alors finalement, même si on sait pas où tout ça nous emmènera, il faut qu'on ose, qu'on fasse le geste. Il faut qu'on se lance, vieux frère. Je crois qu'il y a rien de plus fort. Je sais pas comment expliquer ça, c'est ça se voit dans les yeux. Tu te dis, merde, j'ai l'impression de faire quelque chose. Tu vois, et pourtant, c'est pas grand-chose. Pourtant, c'est pas grand-chose.